Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Esprit Digicom, donc le podcast qui t'aide à construire une stratégie digitale idéale selon ton human design. Alors la question du jour aujourd'hui, en human design, quel genre de stratégie de communication digitale convient à une ligne 1? Donc, est-ce que toi déjà tu as une ligne 1 dans ton profil ou si tu as des clients ou que tu vises des lignes 1 avec ton web marketing, l'épisode d'aujourd'hui va t'aider. Donc, moi j'ai le plaisir d'attirer plusieurs lignes 1 hein, dans ma clientèle et pas que, hein, mais aussi dans mon entourage proche, notamment mon père, ma sœur et mon conjoint qui ont des lignes 1. Donc, ça m'a permis de comprendre leur comportement, de pouvoir les observer. Et dans cet épisode, eh bien, je te partage ma réponse à cette question. Je m'appelle Aurélie. Je suis experte en stratégie digitale selon ton human design et expérimentatrice du web version humain. Ma mission est de t'aider à construire un écosystème digital idéal selon ton human design et ça va passer aussi par l'élaboration d'une stratégie de communication et marketing digital selon ton human design. Donc mon mode d'emploi à moi en tant qu'être humain fait que je préfère venir en aide aux personnes qui le manifestent pour leur apporter des réponses et un soutien. Je ne suis pas vraiment programmée pour initier les choses, mais plutôt pour répondre à vos interrogations et vous aider dans vos défis digitaux. Tu peux me découvrir sans aucune pression au travers de mes expériences et réflexions en stratégie digitale selon mon human design, enfin selon le human design, et que je partage dans mon podcast et également sur mes plateformes web grâce au hashtag Esprit Digicom. Bien entendu, si cet épisode te plaît et que ce podcast te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager ou à commenter tout simplement. Alors, pour cet épisode, j'ai eu envie de partager sur une question qui me revient souvent en accompagnement ou en diagnostic, à savoir dans quel genre de stratégie de communication digitale convient à la ligne 1. Alors, pour répondre à cette question, je vais dans un premier temps déjà resituer le contexte avec la nature de la ligne 1, hein, comment elle fonctionne, et puis dans un second temps, on va faire le lien avec la communication digitale. Alors, au niveau de la nature de la ligne 1, on l'appelle la ligne de l'investigateur. Donc, c'est des personnes qui sont basées sur l'introspection, la profondeur et aussi l'empathie. Donc, c'est en observant les lignes 1 hein, que j'ai compris que ces personnes avaient besoin de comprendre les choses en profondeur pour être rassurées. Et sans cela, eh bien, elles vont se sentir en insécurité. Avec ta ligne 1, en fait, plus tu en sais, moins tu as peur. Hein. Grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour ma part, quand je discute avec une ligne 1, ben, je sais que cette personne va vouloir aller au cœur du sujet et qu'elle risque de me demander les preuves hein, sur le sujet pour pouvoir me faire confiance, puisque c'est comme ça qu'il fonctionne. Aussi, quand tu échanges, hein, par exemple, sur les communautés dans un domaine, hein, quand tu es sur les groupes, les forums, etc., les lignes 1, tu vas les repérer aussi, parce que généralement, c'est ceux-là qui vont te demander où sont les preuves, hein, les preuves scientifiques ou autres, dans le domaine en question. Ils vont se poser, c'est eux, en fait, qui vont poser des questions très précises sur le sujet, tout ça pour être rassurés, en fait. Hein. Moi, j'ai un exemple aussi dans mon entourage. Et par exemple, je me souviens quand j'ai découvert mon human design, moi j'étais toute contente, hein, j'avais trouvé plein de réponses à mes questions et j'étais un peu sur un petit nuage. Et là, j'en discute avec ma sœur, donc qui a une ligne 1 dans son profil, et je lui explique mes découvertes et voilà comment t'édites ta charte et tout. Et là, elle me demande, oui, mais par exemple, une autre personne qui est née le même jour que moi, mais une minute après moi, ça change quoi dans son design? Alors là, tu redescends sur terre déjà, parce que voilà, moi je venais de découvrir mon truc et j'étais toute contente. Et honnêtement, mais j'avais pas pensé à me poser ce genre de questions, enfin en tout cas pas à cette étape-là. Donc, pour moi, j'avais trouvé les réponses à mes questions et c'était génial. Honnêtement, pour ma part, j'ai commencé à me poser ce genre de questions précises plus tard, hein, quand j'ai approfondi sur mon human design. Mais la ligne 1, elle, tu vois, la ligne 1, hop, elle y pense tout de suite. Hein, parce qu'elle cherche tout de suite à s'assurer de la solidité des choses. Hein, faut que ça soit en béton armé. Sinon, pour elle, ça vaut pas le coup d'y prêter attention, en fait. Hein. Si c'est trop incertain, elle va prendre peur, en fait. C'est pas sécuritaire pour elle et du coup, elle va passer son chemin, quoi.
Voilà. Donc c'est un comportement qui peut des fois être difficile à comprendre, hein. On peut avoir l'impression qu'ils ont, qu'ils sont tout le temps en train de chercher la petite bête ou qu'ils cherchent sans cesse à améliorer, sans jamais vraiment arriver à se laisser tranquille, quoi. Voilà, à se poser. Donc, ce qu'il faut comprendre, hein, en étudiant leur comportement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fond, c'est un sentiment d'insécurité qu'ils dissimulent, hein. Voilà, c'est que, comme je t'ai dit, plus ils en savent, plus ils se sentent rassurés, moins ils ont peur. Donc, c'est pour ça, en fait, hein, qu'ils investiguent à ce point et qu'ils ont le souci du détail à ce point. En fait, la ligne 1, elle a peur qu'à tout moment, on lui coupe l'herbe sous le pied. Voilà. Donc, la ligne 1, quand elle parle d'un sujet, sa plus grande peur, c'est que. Bah oui, c'est qu'il y en ait un qui lui pose une question auquel elle n'a pas la réponse, quoi. Elle sait pas. Voilà. Si elle sait pas, ça la met en stress. Donc c'est pour ça qu'elle va chercher, mais vraiment à tout blinder et avoir un socle de connaissances vraiment solide avant de parler de quelque chose. D'autre part, si tu as une ligne 1, tu es aussi d'une nature très empathique. Donc tu aimes bien observer et étudier aussi le comportement des autres pour déterminer quel genre de comportement fonctionne ou pas. Avec une ligne 1, tu as besoin aussi de travailler seul. Hein, souvent, tu fais cavalier seul avec une ligne 1. Moi, je l'ai souvent observé aussi. Souvent, c'est des personnes qui sont un petit peu dans leur coin. Ils aiment bien faire cavalier seul. Ils sont soucieux, en fait, de faire la lumière sur une situation ou un trait particulier. Donc, il faut qu'ils aient un temps de recherche. Et moi, j'ai pu le remarquer aussi en diagnostic avec les profils qui ont une ligne 1. Conserver leur individualité, c'est important pour eux. Et du coup, la plupart du temps, ils exercent une activité où ils font cavalier seul et en parallèle, ils font des points avec une équipe ou des choses comme ça. Mais ils n'aiment pas trop dépendre des autres. Hein. Donc, pour eux, l'autonomie et l'indépendance, c'est vraiment des valeurs qui sont très ancrées, qui sont très fortes chez eux. Hein. Donc, voilà, c'est plus des cavaliers seuls, les lignes 1. C'est plus des cavaliers seuls. Alors, du coup, là, je t'ai dressé un peu le portrait de la ligne 1 dans les grandes lignes. Maintenant, d'un point de vue stratégie communication digitale, qu'est-ce que ça peut donner? Donc, comme je t'ai dit, les lignes 1, c'est des investigateurs. Hein. Ils aiment bien chercher en profondeur et ils ont le souci du détail. Donc là, on peut dire qu'Internet a été créé pour les lignes 1, hein, en quelque sorte, puisque voilà, Internet, c'est une source immense d'informations. Et du coup, dans le digital, pour une ligne 1, ça va être une source immense d'informations où ils pourront trouver les réponses. En tout cas, ils pourront investiguer, approfondir sur un sujet, voilà, et trouver les contacts experts ou des témoignages d'experts sur ce qu'ils cherchent à approfondir ou encore suivre des cours en ligne. Donc, le digital est une très bonne plateforme pour eux. Avec cette ligne, alors, il y a un fonctionnement un peu spécifique. Ils ont d'abord une phase étudiant, en fait, où ils vont approfondir à fond dans un domaine. Et c'est là où ils vont avoir besoin de côtoyer les autorités du domaine, les experts du domaine et bénéficier de leur lumière. Et ça, Internet, effectivement, ça leur apporte. Et puis, il y a une deuxième phase où, du coup, ils deviennent à leur tour un expert du domaine, voilà, à force d'emmagasiner dessus. Et ils peuvent alors enseigner ou conseiller les autres dans ce domaine. Voilà. Donc, il y a vraiment deux phases dans la ligne 1. Hein. D'abord une phase étudiant et ensuite tu deviens expert et tu peux l'enseigner et conseiller les autres. Alors, en stratégie de communication digitale, le mieux, c'est d'implémenter une structure où justement tu pourras échanger et partager ton expertise, enfin sur ton expertise, mais de manière profonde. Hein. Pareil, au niveau de tes posts sur les réseaux sociaux, de tes contenus, écris des posts profonds, hein, ne reste pas à la surface sur des généralités. Déjà, ça ne marche pas, puisque l'aura de la ligne 1, c'est ce qu'elle projette, hein, elle projette une personne profonde, qui cherche des conversations avancées, profondes, qui va au cœur du sujet, qui a le souci du détail, hein, tu vois bien. Elle pense à des questions vraiment très très précises. Donc il faut que ça se reflète ça dans ta communication. Reste pas sur les généralités, ça ne convient pas du tout à une ligne 1. Pareil, si tu as un persona avec une ligne 1, tu t'es aperçu voilà, que ta cible commerciale, ça correspondait à son profil, du coup c'est ton expertise qui va les attirer. Donc, il faut qu'ils te voient en fait comme une autorité dans ton domaine pour pouvoir te faire confiance. Et garde aussi à l'esprit qu'ils viennent vers toi pour en apprendre plus, pour maîtriser eux-mêmes le domaine derrière. Hein. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion d'individualité et d'indépendance. Ils ne viennent pas pour dépendre de toi, ils ont horreur de ça. Donc, ils viennent vraiment pour que tu les éclaires. Voilà. Mais le but derrière, c'est qu'eux, ils maîtrisent le domaine. Donc, dans ta communication avec cette cible,
Ça va être la profondeur et la précision hein, qu'il y a dans ton contenu web qui va faire la différence pour eux. Dis-toi bien qu'ils ont besoin de pouvoir s'appuyer sur des solides fondations pour être rassurés. Hein. Donc après, ben voilà, c'est à toi d'aménager les choses en conséquence, en sachant du coup comment se comporte la ligne 1 et ce trait de personnalité qu'il y a dans ton persona. Alors, à noter que les profils qui sont concernés par la ligne 1 en Human Design, on retrouve le profil 1-3, 1-4, 4-1 et 5-1. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde, hein, mais voilà, il y a certains profils, ce sont les profils là avec les lignes 1. Voilà, donc je te laisse méditer sur ces informations. Bah, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me les poser en MP. Si tu sens que tu as besoin de parler de tes défis en stratégie digitale et d'être entendu et conseillé, je te propose de commencer par le diagnostic personnalisé, donc ta stratégie digitale selon ton Human Design. Et je t'invite à réserver un café virtuel ensemble pour qu'on en discute. Hein, tu trouveras le lien en dessous dans la description. J'espère que l'épisode t'a aidé. Rappelle-toi, hein, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, ça c'est important. Il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.